Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un nouveau jeu qui a rejoint ma collection il y a très peu de temps, puisque je ne l'ai que depuis 2 jours, l'Oracle Fontaine. Et je souhaiterais, avant même de commencer, vous présenter mes plus plates et plus profondes et plus intenses et plus désolées de toutes les excuses possibles et inimaginables, parce que je pense que cette vidéo va très certainement vous frustrer grandement. En effet, ce jeu n'est malheureusement plus disponible dans le commerce. Il n'est tout simplement plus édité, à mon grand malheur, et voilà, évidemment au regret de ses auteurs. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce qu'on peut quand même de temps en temps trouver sur internet des, on va dire des jeux d'occasion. Donc si vous avez vraiment envie de vous en procurer un, c'est quand même faisable. Et après, parce que j'ai espoir éventuellement, possiblement, que cette vidéo puisse... simplement contribuer à sa prochaine réédition, si c'était possible, avec le même éditeur ou avec un autre éventuellement. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous le présenter, et comme ce jeu à la base n'est plus disponible, moi j'ai pu avoir la chance d'en dégoter un exemplaire directement par le biais de son auteur, enfin d'une en tout cas de ses auteurs, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc l'Oracle Fontaine, qui était édité chez France Loisirs, a été une idée et une création d'Emilie Porte pour les écrits et puis pour la forme, la structure du jeu, et de Laure de Matharel pour les illustrations. Alors j'en ai discuté un petit peu avec Emilie, et vraisemblablement ce n'est pas le seul jeu qu'elles ont fait ensemble. Mais en tout cas celui-ci est à mon sens extrêmement remarquable et mérite largement en tout cas d'être présenté et qu'on en parle. Alors moi ça a été ma grosse surprise parce que je ne connaissais pas du tout ce jeu en fait, j'en avais jamais entendu parler et pourtant il a déjà quelques années. C'est un jeu que moi j'ai découvert vraiment par accident, directement sur Facebook, parce que par le biais d'amis et d'amis d'amis, voilà, on voit des fois des gens qui postent des cartes avec des interprétations, et puis moi je suis tombé dessus, je me suis dit tiens c'est bizarre, je connais pas ce jeu, je l'avais jamais vu, et donc j'ai commencé à me renseigner, et je suis tombé directement sur le site de l'auteur, enfin en tout cas le site d'Emilie, et qui se trouvait d'ailleurs que j'avais justement en contact Facebook, donc c'était assez amusant, parce que voilà, on s'était finalement un peu croisés comme ça. Et sur le site en fait d'Emilie, on peut trouver un script sur lequel il suffit juste de cliquer sur un bouton et on peut tirer une carte. Donc on peut poser des questions et puis avoir une réponse directement. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que moi je suis très friand de ce qui est informatique et j'aime beaucoup tester et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et Dieu sait que des systèmes de tirage en ligne, j'en ai testé à l'appel. Je pense à peu près tous ceux qu'on peut trouver aujourd'hui, je les ai tous utilisés. Avec peu ou prou de résultats, je ne suis pas toujours très emballé. Et là en l'occurrence, le script d'Emilie est d'une précision absolument extraordinaire, avec des réponses d'une insolente précision et pertinence. Donc j'ai été vraiment ravi, je l'ai torturé sous tous les sens pour voir s'il était capable de répondre à toutes les questions. Et bah, ça ne répond jamais entièrement à toutes les questions, parce qu'en fonction des questions qu'on peut poser, des fois c'est un peu alambiqué, un peu tordu, le jeu fait ce qu'il peut évidemment. Mais on va dire qu'à 98% des questions que je lui ai posées, j'ai obtenu des réponses extraordinairement satisfaisantes et qui touchaient vraiment juste à la vérité. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. De fait, j'ai écrit à Emilie en lui demandant voilà, s'il y avait la possibilité quand même de trouver un exemplaire, et elle a accepté de me céder un de ses derniers exemplaires en sa possession. Et donc voilà, Oracle Fontaine rejoint la longue collection qui se trouve chez moi dans mes bibliothèques, qui commence d'ailleurs à craquer un petit peu, les étagères supportent modérément. Bon, enfin bref, celui-là je ne pouvais pas passer à côté. Alors l'Oracle Fontaine, pourquoi Fontaine ? C'est un petit clin d'œil, on va dire un hommage à Belline. Donc si vous connaissez Belline, vous connaissez certainement le jeu de cartes, l'Oracle Belline, qui est assez connu et dont le créateur vivait justement rue Fontaine, rue Pierrefontaine à Paris. Et donc voilà, Emilie avait envie de faire un petit clin d'œil à ce jeu qu'elle apprécie particulièrement. Et comme elle avait fait justement déjà des recherches un petit peu sur Belline lui-même, c'était le moyen de pouvoir, on va dire, réitérer à la mémoire du personnage. Donc... Le boîtier se présente, alors c'est assez souple, hein, on sent qu'on n'est pas sur du gros cartonnage à la l'Oscarabeo par exemple. Donc c'est assez souple, là je l'ai vidé, je vais vous montrer après. On voit qu'on a différents emplacements et sur le dos, alors on n'a pas le nom de l'éditeur, mais normalement si je ne me trompe pas, c'est bien France Loisirs. Voilà, donc on a une description succincte, mais on va dire que c'est vraiment la partie la moins intéressante pour l'instant, ça on s'en fout, on va aller voir un petit peu comment ça se compose. Alors, on a différentes parties, on a beaucoup de choses dans ce jeu et ça c'est chouette. Première chose, on a un livret. qui nous permet de, si on a juste envie de se balader avec le strict minimum, est largement suffisant. Donc on va y jeter un œil après. On a ensuite un gros livre qui rentre un peu plus en détail dans le jeu. C'est pareil, on va en parler ensuite. On a un jeu de cartes ici, dont on parlera également après, mais on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, hein. On est là pour regarder des cartes, donc allons-y. Alors, l'Oracle Fontaine, on voit déjà au tarotage, justement, une petite fontaine avec une couleur qui nous rappelle un peu les jeux, justement, l'Oracle Belline, donc c'est un petit clin d'œil assez sympatoche. Et on va voir, donc les illustrations sont toujours hautement en couleur, alors... Voilà, pour moi qui ai eu quelques mésaventures et quelques désagréments avec la première édition de mon jeu de Tarot de Marseille, avec l'éditeur qui a fait un travail absolument épouvantable, je suis toujours très attentif à ça. Et je dois dire que le calibrage des couleurs et la qualité d'impression est extraordinaire. C'est rare sur tous les jeux que j'ai pu trouver de trouver justement cette qualité-là et cette finesse-là. Donc là, je suis vraiment très heureux avec un rendu un peu satiné. Donc c'est pour le moins agréable et appréciable. Donc on va regarder les cartes toujours avec le numéro et le nom, alors pas forcément toujours en bas, on va voir que des fois ça se balade un peu. Et on va trouver également ici une petite lettre sur le coin de la carte, qui de temps à autre, en fonction des tirages, du coup pourra faire des petits jeux de mots, pourra faire apparaître des mots, donc c'est toujours assez intéressant de voir ça. Donc on y va, on va regarder un petit peu, donc ça commence par la porte, ce qui est amusant, puisque effectivement le nom de l'auteur est Emilie Porte, donc ça ne sera pas, ça tombera pas tac, dans l'oreille d'un sourd. Libération en 2, avec la lettre B. L'intellect en 3, et là on va voir que sur certaines cartes on a des petits symboles astrologiques, voilà, donc on va avoir des concordances, et on va voir que, alors ce ne sera pas toujours astrologique, mais simplement des fois au niveau de l'iconographie, au niveau du symbolisme, on va avoir des jeux de miroirs ou de correspondances, on va avoir des translations de symboles entre les différentes cartes, qui peuvent donner naissance à des nouvelles significations et des nouvelles interprétations, ce qui n'est vraiment pas dénué de sens. La conquête en 4, obstacle en 5, 6 communication avec un nouveau petit symbole astro, 7 la passion, alors celle-là je vais la mettre de côté, on va voir après pourquoi, soleil en 8 avec un autre symbole, symbole du lion, encore ici le sagittaire avec la société, donc très jolie carte, la récolte, que là on peut lire dans un sens et qu'on peut lire dans l'autre également en fonction du sens dans lequel on va tirer. Alors évidemment on n'est pas le tarotage n'est pas réversible, mais bon voilà, si par exemple moi je tire toujours voilà en touchant comme ça, donc je ne vais pas regarder le tarotage là en l'occurrence, moi ça ne sera pas une gêne. On va voir aussi que amour amant peut également se lire en droit ou en vers. C'est très intéressant. La mer avec un nouveau petit symbole. Et là, donc, on va voir qu'on a vraiment des éléments. Par exemple, on a l'eau, on a le feu, on va retrouver la terre et on va retrouver l'air dans d'autres. La fin, alors que j'aime bien parce qu'on va avoir une petite analogie avec l'arcane 13 du Tarot de Marseille. Et on va retrouver justement des coupes, des bâtons, des deniers et des épées, enfin des couteaux en tout cas. Avec le petit cœur qu'on retrouve ici et qui sur le Tarot de Marseille on retrouve au niveau du bassin, donc je trouve que c'est intéressant. On voit qu'on a une petite clé également, alors ça c'est une chose que m'a montré Emilie que je trouvais très fun. On peut voir justement là des translations de symboles, par exemple on a des portes, les clés peuvent aller au niveau des portes, mais on a ici aussi justement le symbole d'une clé, donc on va avoir deux fois la clé qui va apparaître et ça va nous donner une nouvelle signification, donc ça c'est assez sympatoche. La carte de l'aube, le voyage. Alors voilà, par exemple, si on tire une carte avec un arbre et qu'on voit après que l'arbre justement se trouve coupé, on peut voilà, trouver une nouvelle signification à ça. L'angoisse, un petit peu sombre, un peu glauque. La protection avec l'enceinte du mur. Alors là, on a le chemin et qui se poursuit. Là, ici, le chemin s'arrête, une nouvelle signification. Le silence avec la ville engloutie. Les choix. La lutte, combat contre le dragon. La lune, que je trouve très jolie, donc on va avoir la lune et le soleil, assez sympa. Réalisation avec le petit signe du taureau. Le renversement. Le ciel. Alors là c'est pareil, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet exemple qu'Emilie m'a montré. Par exemple, voilà, on a le symbole de la terre ici, on a avec la petite montgolfière qui s'élève, et on va retrouver le même globe ici, donc on va avoir une nouvelle itération, mais pas seulement. Par exemple, si on regarde là, on a la forme justement de la montgolfière, qu'on va retrouver à peu près à l'identique, justement, ici, et qui va nous donner encore une fois une nouvelle signification. Le bonheur, l'équilibre, une de mes cartes préférées, je trouve qu'elle est absolument magnifique, vraiment très jolie et très bien réussie. Et enfin, la dernière, la carte chance, qui n'est pas numérotée et qui n'a pas de lettres, et qui est un peu, on va dire, moi en tout cas je la vois comme un équivalent de, vous savez, dans le jeu de Belline, on a une carte bleue qui est un peu une carte de chance, et je trouve vraiment cette, on va dire, ce parallèle. Donc ça, c'est le premier jeu. C'est un peu celui qui, en gros, voilà, si on devait faire une analogie avec le tarot de Marseille, représenterait un peu les arcades majeures. Et après, on a un autre jeu de cartes qui va venir compléter, alors qui n'est pas, pas obligatoire, ça peut être optionnel, puisque sur le site d'Emilie, on n'utilise que celle-ci, et c'est déjà très bien. Mais on a également ce jeu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cartes qui va venir compléter en réalité les premières cartes qu'on aura tirées quand on aura besoin justement d'avoir un petit peu plus de précision. Et ce sont à chaque fois des cartes de couleur avec des petites significations supplémentaires qui sont mises sur les quatre dimensions. Donc là par exemple ici le blanc va avoir la paix, l'indifférence, la pureté et le vide. Donc selon le sens dans lequel on va tirer, tac, on va lire justement la petite écriture qui se trouve sur le côté visible pour nous et qui va préciser justement le sens de la carte. Là on va voir le gris, dépression, expérience, insensibilité et neutralité. Là, on va avoir une espèce de rouge avec blessure, désir, violence et activité. Orange avec constance, rébellion, ambition et infidélité. Comme l'orange, en plus, c'est la couleur de la sexualité. Le jaune, aveuglement, richesse, égoïsme et joie. Le vert avec espoir, trouble, évolution et ambivalence. Le bleu, passivité, réceptivité, illusion et spiritualité. Le rose avec la séduction, l'immaturité, la tendresse et la vulnérabilité. Là, on a une espèce de violet pourpre avec le sacrifice, le recueillement, la soumission et le mystère. Le marron avec la fermeture, le concret, la lenteur et la fertilité. Le noir avec l'initiation, le refus, la transformation et les douleurs. Et enfin, une espèce d'irisé de multicolore avec découverte, dispersion, ouverture et désordre. Et donc ça, quand on va faire un tirage, voilà, on va piocher, tac, une carte au hasard, hop, viens par ici, tac. On va trouver l'aube, on va aller dans le bouquin pour aller chercher la signification, et si on tire une autre carte en plus, on va aller voir un petit peu les significations supplémentaires qui vont se rajouter. L'aube, ça va être le commencement, les choses qui démarrent, d'accord, dans quel domaine, ben, on va avoir de nouvelles illusions qui vont apparaître, ou alors on s'initie à la spiritualité, ou alors on commence à se détendre, ou alors on fait preuve d'ouverture pour recevoir, c'est-à-dire on va commencer à accepter de ne plus faire, de ne plus être dans l'émission, mais au contraire dans la réceptivité, et on va voir que du coup le jeu peut soudainement prendre des significations sous un prisme beaucoup plus multiple, parce que du coup on va, ben là on a 27 cartes, multiplié par 4 cartes x 4, parce qu'à chaque fois on a 4 significations. Faites le calcul, je suis très nul en maths, donc je ne vais pas calculer moi-même, débrouillez-vous. Mais du coup, ça donne effectivement un panel extrêmement intéressant. Et ce qu'on va avoir du coup, c'est la possibilité en plus de ça de se balader juste avec le petit livret qui va reprendre les significations largement suffisantes. Par exemple, on va, bah, puisqu'on était sur l'aube, allons voir l'aube, donc en numéro 14. Et on va avoir la signification « Je fais mes premiers pas dans un monde nouveau » et on a après une petite description. « Cet adolescent un peu fragile vient vers nous dans la paix et la pureté de son âme. Cette carte représente un nouveau départ avec une épreuve, la guérison d'une maladie ou le début d'une nouvelle vie amoureuse. » Et on a de temps en temps une petite association, par exemple avec « Société ». Vous retrouvez du travail après une longue période de chômage. Ensuite, on a un sens positif, par exemple ici, guérison, renaissance, réconciliation, adolescence, le calme après la tempête, début de réalisation d'un projet, et un sens en négatif, fragilité, fatigue, maladresse, risque de rechute, perte d'espoir. Donc ça, c'est très bien pour qu'on puisse se balader avec et qu'on n'ait pas besoin de se balader forcément avec le gros bouquin. Et en plus, on trouve des petits tirages à la fin. Donc merci, oui, ça c'est bon de mettre des tirages, c'est vraiment chouette. Donc le tirage de Laura, le tirage du prénom, et on a le tirage en croix. Donc voilà, quelque chose d'assez connu et qu'on peut s'autoriser, voilà, à compléter par des cartes de couleur par-dessus, comme on le voit là par exemple là. La deuxième carte a été précisée par une carte de couleur. Et on va aller voir du coup le gros livre, parce que alors lui, pour le coup, c'est une véritable perle. Tac, l'Oracle Fontaine tout en papier glacé. Oh, ce que c'est beau! Oh, ce que c'est beau! Tac, hop, c'est ça, France Loisirs. Merveilleux, je me suis pas trompé. Alors, on a le sommaire, et on commence directement avec la découverte. Donc voilà, ça nous parle un petit peu de comment ça se passe, un petit peu le fonctionnement, on va dire, la structure du jeu. Et on attaque tout de suite sur les significations. On commence par la première avec la porte. Et on a toujours une symbolique. On tombe avec une interprétation, avec une petite... Alors ça, j'aime bien une petite phrase sur le côté. Et ici aussi une citation à chaque fois. Hop, bien par là. Et ensuite, on a l'interprétation dans le domaine affectif, le domaine professionnel, la forme, la santé, le psychologique, des exemples d'associations, la manière dont on l'utilise pour dater et, encore une fois, une lecture en positif et négatif. Donc, autant vous dire qu'il y a tout. Ce bouquin se suffit à lui-même, il ne manque rien, on a tout ce qu'il nous faut, tout est là, c'est d'une précision extra. Et donc, on trouve ça pour, évidemment, toutes les cartes. Donc là, on retrouve Libération. Tac, intellect, donc piochons une carte au hasard, tac, par exemple communication, on va aller voir, donc puisque c'est la numéro 6, on va aller voir la 6e carte, et on tombe ici, communication, avec la symbolique, on a une petite phrase sur le côté, je suscite l'amitié, les rencontres, les échanges, je parle, mais ne dévoile qu'une partie de moi, et donc on a la notion de double masque, ce qui est assez intéressant, on a la symbolique, l'interprétation, l'affectif, ce que ça donne dedans, le professionnel, ce que ça donne également. Par exemple, la communication est bien évidemment votre atout majeur. L'idéal pour vous est d'évoluer dans le domaine relationnel ou commercial, la publicité, le journalisme. Vous aimez rencontrer du monde, partager des informations, tenir un rôle d'intermédiaire, négocier, convaincre, séduire, etc. C'est parfait. Et par exemple, quand on va l'associer à d'autres cartes, par exemple, si je l'associe à... Hop là, viens par ici. Tac, communication plus la mer. Avec la mer, vous manquez de structure tout en possédant d'indéniables qualités d'imagination. En fonction du contexte, vous pouvez écrire des poèmes très inspirés, comme tenir des propos destinés à jeter le trouble. Et par exemple, si on la met avec le soleil, on va dire avec soleil, une amitié sincère éclaire votre vie. Donc on va avoir un nouveau sens encore qui va apparaître et qui ne sera plus uniquement en relation avec la communication simple comme moyen d'expression, mais en plus sur l'idée d'être en relation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Datation, avec communication, je vais avoir le rythme est rapide, imprévisible. La période associée au signe des Gémeaux est comprise entre le 21 mai et le 21 juin. Cette carte représente aussi l'adolescence. On va avoir une signification également par rapport au signe, puisque là, on va voir que comme on est en communication, on va avoir le symbole des Gémeaux. Et comme on a le miroir ici, on va justement avoir la notion de dualité avec l'autre personnage derrière. Et comme c'est effectivement bien en rapport avec, on voit le signe des Gémeaux derrière ici, et le masque, la dualité, du coup on va retrouver la signification des Gémeaux là-dedans. Donc voilà, c'est une perle, c'est une merveille. Si vous pouvez vous le trouver même en d'occasion, prenez-le parce que c'est véritablement extraordinaire, un superbe jeu. Et quand on avance un petit peu plus loin, tac, on arrive sur la fin. Donc on a la dernière carte, carte chance, où on tombe quand même sur quelques significations. Malgré la simplicité de l'illustration, on a quand même tout ce qu'il nous faut pour donner une interprétation. Et après, on passe sur les cartes de couleur. Donc, on nous explique un peu la signification, le symbolisme, l'utilité, le rapport avec l'alchimie. Et après, on attaque couleur par couleur, encore une fois. Donc, le sens de la couleur et des exemples d'associations. Et on voit ce que nous donne chaque sens en fait en fonction du côté. Donc là par exemple on va avoir espoir, trouble, évolution et ambivalence, et donc ça va nous donner quelques informations supplémentaires en plus d'autres mots-clés qui se trouvent ici, et tout ça pour toutes les couleurs, donc le vert, le jaune, le brun, le noir, balance, je lisais le mot, le rouge, orange, tac, le rose, le gris, le violet, le bleu et le multicolore que j'adore, qui est une couleur vraiment vraiment chouette. Et ensuite on arrive dans la section des tirages où une fois encore on nous présente des petits tirages en plus mis en images, donc ça c'est super chouette. Donc tirage à une carte, vie affective et vie privée, vie professionnelle et financière, forme et santé, après des tirages à 3 cartes. On a un petit peu plus loin le tirage du prénom qu'on retrouve également dans le petit livret. Tirage en croix à 5 cartes, vie affective et privée, encore une fois, on retrouve dans les différents domaines, vie professionnelle et financière et la forme et santé. Le tirage en fer à cheval à 7 cartes, donc ça c'est vraiment chouette aussi à avoir. Et enfin les associations de cartes, donc ça c'est une super idée, vraiment c'est quelque chose d'excellent. Et on voit ici qu'on nous propose d'autres utilisations du tirage Fontaine. Le conseil du jour, retrouver un objet perdu, nous imprégner d'une qualité dont nous avons besoin, déterminer la couleur idéale à porter ce jour, cerner rapidement l'état d'esprit d'une personne, c'est parfait, c'est incroyable. Ce jeu, cet ensemble, ce coffret est d'une précision fantastique. Ce qui est amusant, c'est que tout ce que je reproche à tous les jeux, ou à tous les livrets, je trouve en réalité dans ce coffret tout ce qui est corrigé par rapport à ce que je peux critiquer. Par rapport au livret, quand on n'a pas les tirages, ou quand on n'a pas les interprétations, ou quand on n'a pas les détails, quand on n'a pas le positif ou le négatif, ou quand le livret n'est pas pratique parce qu'il est trop gros, que du coup on a un substitut, que les cartes ne sont pas bien imprimées ou qu'elles ne sont pas solides, là on a vraiment quelque chose de très intéressant. Bref, c'est parfait, c'est fantastique, ce jeu est magnifique, et en plus de ça, alors c'est une bricole, c'est une babiole, mais j'adore le fait d'avoir un jeu dont les contours ne sont pas blancs, le fait de ne pas avoir de bordure blanche, mais d'avoir des bordures colorées. Alors ça, c'est vraiment chouette, j'adore, on a une immersion totale dans le jeu. Écoutez, que dire de plus? Donc, s'il y a des éditeurs dans la salle, si certaines personnes se trouvent dans le milieu de l'édition, en tant que fan et en tant qu'amoureux de ce jeu, je vous supplie, je vous conjure de bien vouloir prendre ce jeu et le faire rééditer parce qu'il le mérite largement, que c'est une perle tant dans la qualité, dans l'esthétique, dans la richesse des symboles, dans la qualité d'écriture du livret et dans la composition du jeu, dans le style du dessin. Bref, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à jeter, ce jeu est parfait. Donc, si vous avez l'opportunité de vous le procurer, faites-le. Essayez de vous le trouver sur eBay ou Amazon ou la Fnac ou autre, n'importe où on peut le trouver d'occasion. Ou essayez de contacter éventuellement l'auteur, lui envoyer un petit mot en lui disant que vous aimez beaucoup son jeu et que vous aimeriez vraiment qu'il soit réédité pour voir si... voilà, s'il n'y a pas possibilité quand même de l'envoyer chez d'autres éditeurs. Et si vous connaissez des éditeurs, n'hésitez pas, voilà, à en toucher deux mots. Ou si vous l'êtes vous-même, voilà, à essayer d'envisager une réédition. Parce qu'on ne peut pas laisser ce jeu, qui est d'une richesse extraordinaire, se perdre dans les méandres de l'histoire. Il faut impérativement le faire rééditer. Donc voilà, c'était mon gros coup de cœur, avec un véritable amour pour ce jeu. Je suis infiniment heureux de pouvoir en avoir un exemplaire. Je pense que... je vous en présenterai certainement quelques tirages prochainement. Voilà, quand j'aurai un petit peu de temps pour faire des vidéos où je pourrais faire de nouveaux tirages ou peut-être de nouveaux taroscopes, je n'hésiterai absolument pas à l'utiliser parce qu'il est merveilleux, il est incroyable, donc autant se faire plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce petit tirage vous aura donné en tout cas l'envie d'aller sur le site de l'auteur et de faire vous-même vos propres tirages sur son site. N'hésitez pas à le tester, c'est vraiment une merveille. Donc voilà, ne vous privez pas de ce plaisir, allez-y vraiment, vous allez voir que c'est assez fantastique. Alors, je n'ai pas l'adresse du site d'Emilie sous la main, mais normalement je pense que ça doit être certainement emilieporte.com ou quelque chose comme ça, mais vous retrouverez en bas dans la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien de son site pour retrouver le tirage en ligne. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.